risque d'avoir besoin de vous. Enfin, en vie. Car sachez qu'ici, le besoin côtoie l'envie. L'envie d'avoir envie, ça, je ne connais pas. Et pourtant, quand je viens ici, c'est bien que j'ai une très grosse envie. On est tous pareils. Mais d'un autre côté, si je n'en avais pas besoin, passerais-je autant de temps ici? C'est donc bien le besoin qui plane au-dessus de nos têtes. Comme ce besoin de croire pour se donner des ailes. On s'envole. Pour pouvoir s'envoler. Avancer et affronter les épreuves du jeu. Croire en l'irréel, au surnaturel. Croire en l'incroyable, s'obstiner à y croire. Croire en Dieu ou croire en soi. En soi c'est un peu la même chose. On se parle à soi-même avant tout. Cette voix intérieure, on sent une présence. C'est la nôtre, Raoul. On se plaît à imaginer qu'elle vole au-dessus de nos têtes. On a envie de toucher le bonheur. Mais en réalité, je vous le dis, c'est à l'intérieur que ça tourne. À l'intérieur. Voyez comme le cerveau peut nous jouer de vilains tours. Désormais, je ne sais pas si je crois. Le besoin serait dans mon cas. Devenu, oui, une envie. Je suis guéri, je suis guéri. Guéri, pas sûr de mes envies, pas sûr. Guéri. T'es guéri, Raoul. Guéri.